Mahmoud Al-Fara, 12 ans, né avec 8 autres membres de sa famille, le 1er août dans le village de Mahan, au sud de Khan Younes. Nadine Mahmoud Farah, c'est une de ses sœurs, tuée avec 8 autres membres de sa famille le 1er août dans le village de Mahan. Mohamed Zeyad Al-Rahel, 5 ans, tué le 19 juillet lors du bombardement de sa maison dans le village d'Al-Zoutoum, in Bet Laya. Khaled Ahmad, tué le 20 juillet dans une ambulance, c'est un journaliste, qui a été tué le 20 juillet dans une ambulance prise pour cible par l'armée israélienne. Son seul crime est d'avoir tenté de faire un reportage sur le massacre de Chouyaya qui a causé la mort de 70 personnes et blessé plus de 300 autres. Ismail Bassam Al-Kassas, tué lors d'un raid aérien le 30 juillet dans le camp de réfugiés de Jabala. Yara Al-Fara, de la même famille que les deux autres, 8 ans, tué avec 8 autres membres de sa famille le 1er août dans un village au sud de Rennes. Pour ces 6 personnes, mais aussi pour l'ensemble des personnes, des 2000 victimes des bombardements, nous allons respecter une minute de silence.